Salut les ex, j'espère que vous allez bien, que vous gardez actif malgré le défi du confinement qui nous touche un petit peu tout le monde. Bravo à ceux qui ont fait le défi numéro 1 de manipulation la semaine passée. Cette semaine, tu as besoin d'un banc, d'une chaise, ballon avec toi, surface dure de ciment sur lequel tu vas pouvoir faire la séquence que je vais te montrer. Donc le but, c'est de garder actif, de te challenger, il faut que tu continues à travailler ta game. Puis 20 fois de suite, c'est le défi pour chacune des habiletés. Si tu rates une séquence, tu dois recommencer à zéro et le but, c'est de cumuler ton temps le plus rapide. Donc, je te montre ça à l'instant. À toi de jouer. On débute avec les tops. Réveillez les mains. Pour de la tête. Pour d'une jambe. Deux jambes. Figure eight. De garder le dos droit, la tête haute. Donc, par en arrière. Fungible à droite. Avant, arrière. À gauche. Côté, côté. À gauche, côté, côté. Spider, main en avant, main derrière. Crossover. Crossover, open and jump. Crossover autour de l'autre jambe. Figure eight par en avant. Un petit extra pour ceux qui n'en ont pas eu assez. Inside out avec la jambe de façon continue. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Inside out à gauche. Donc, voici le défi qui t'est présenté. À toi de le pratiquer autant de fois que tu peux cette semaine. Envoie-moi ton meilleur score. Puis, sache que le travail qu'on va faire aujourd'hui va déterminer le succès de demain. Je t'invite à rester motivé, puis actif. Puis, sache que je pense à toi et on va passer au travers ensemble. Ça va bien aller, les aigles. À bientôt!